Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un replay de D54 Mode. Hein. Le joueur, on le présente plus. Il est là sur la chaîne depuis. Enfin, j'allais dire depuis longtemps, mais ça fait en réalité que à peu près une semaine. Mais il m'envoie pas mal de replays. Merci à toi, grosse marre. Un jour, faudra qu'on s'appelle. Oh non, merci. Pourquoi tu dis non, merci? Pourquoi? Non, merci. Tu veux pas qu'on s'appelle? D'accord, Grossmar, tu vois ça avec toi-même. Si tu veux, Grossmar, ok, on annule. Bon, alors, on a un T54 modin. Je vais peut-être vous augmenter le son du jeu parce que... voilà. Là, c'est mieux. Et donc, on est sur Westfield. On va, bien sûr, au sud avec les chars moyens. Alors, très important de passer avec les meds, en tout cas, quand vous voulez aller prendre les positions au sud. Soyez toujours... assurer déjà des spots là si vous passez en retard, et de deux, faut le faire très rapidement, c'est à dire qu'il faut passer et décider de passer très rapidement. Si vous hésitez, ça laisse le temps au char de prendre position ici et de pouvoir vous arroser. Là, vous avez vu déjà qu'on était un peu lent, les chars avaient déjà pris des positions. Donc, on s'est pris en tout un tir de T25 Pilot 1 et de T14, et on a réussi à sortir le Progetto 46. Alors, sur le papier, on peut se dire que c'est pas une si bonne opération, mais en fait, si, parce qu'en fait, on a les positions. On a la position, et on a surtout deux autres chars avec nous, un Lorraine 40 tonnes et un Udes. Alors certes, on n'est pas en si bonne santé, et oui, ça risque de poser problème à un certain moment. Mais on est quand même trois canons, avec le Lorraine 40 tonnes, qu'il ne faut pas oublier, un barillet de 4 obus, et qui met 200 par barillet. On va laisser, on prend le tir, on va prendre le P44, on essaie de chier le Lorraine. Ah non, on ne chie pas le Lorraine. Le Lorraine a réussi à se débarrasser du P44. On essaye de mettre un tir dans l'Udes qui ne passe pas. Le P44 qui a été un petit peu greedy, mais le... Waouh, attends. Ah oui, le Lorraine et l'Udes, ils sont tous les deux à 5 points de vie. Donc... Eh ben ça va être compliqué, mais un canon est toujours un canon, et tant que le char n'est pas mort, il n'est pas mort et il est toujours vivant. Voilà. Un canon, ça peut toujours faire très mal, et le Lorraine 40 n'a pas encore été sorti, à savoir que Grossmar, qui est actuellement en train de chasser la deuxième marque, de monter la marque d'excellence sur son T54 Modin, et qu'il est à la poursuite de la deuxième marque. Là, on voit qu'il a déjà une petite expérience sur son canon, ce qui nous montre qu'il est plus fort que 65% minimum, que 65% des joueurs avec son char. Aïe, 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 ça c'est un Gézor, ça fait assez mal. Il va falloir essayer d'être plus prudent sur les pics, surtout qu'on a un 274A en haut, le 274A qui se positionne bien par rapport à Grossmar. Mais faut pas oublier que derrière nous, on a un Vipera et un WZ, ce qui peut toujours taper les flancs de tourelle. Et voilà le... Ah non, c'était le Gézor qui avait fait l'erreur de pique, et surtout le Gézor qui était le canon le plus dangereux. Mais, hein, et surtout, nous, de notre côté, je vous avais dit, on est trois. On est trois de cette colline, et on a toujours les trois canons. Il va falloir faire attention de l'Oreille 40 tonnes et de vitesse, de ne pas piquer inutilement, et surtout de Grossmar, qui est déjà à 1700 dégâts et 3800 de dégâts de spot. Vous voyez comment Grossmar ça chiffre rapidement, surtout qu'en ce moment il n'est plus focus par les chars qui sont en face. Si on fait un point dans la partie 5-8 avec 6000 points de retard, pas forcément fou, hein, la partie elle est bien partie pour la partie est bien partie, ouh, la blague. Non, la partie est bien partie pour pour être une défaite, mais nous il faut chiffrer un maximum. Est-ce qu'on va réussir? Non, on va pas réussir à mettre un tir sur ce 7-4A, et c'est surtout que les chars ennemis ont conquis toute la partie supérieure. On a juste un Panther Fuel ici pour pouvoir maintenir un peu de spot sur l'avant du village et sur toute la pente, à savoir si le WZ, est-ce que le WZ va réussir à sortir le Panther 2. Il met un tir, on réussit à lui en mettre un joli pré-shot de la part du Grossmar, mais on a un T77 au-dessus. Ah là là, bah c'est le Tiger 2, le Panther 2 à mon avis. Oui, c'est bon, le Panther 2 va se faire sortir. Est-ce qu'on peut mettre un tir dans le T77? Bien joué. T77 qui globalement le Lorraine 40 tonnes, mais en version lourde, et
rapproche plus du T-57 Eevee avec également un barillet de... Et ça fait mal, ça vous fait mal aux oreilles quand il tire la grosse marathon. Je vais vous baisser ça. Voilà, normalement là, ça vous fait moins mal aux oreilles. Et on a un IS-3, mais qu'est-ce qu'il fout l'IS-3? C'est pas du tout académique ça comme position, on ne rush pas par un pont comme ça. Il faudra voir ce qu'il avait dans la tête, mais oh là là. Grosse marque, il... Est-ce qu'il l'a de l'autre côté? Ah oui, il a les yeux énervés sur son char. Allez, le WZ, on n'oublie pas qu'il y a deux chars de ce côté-là de la map. Mais le WZ qui va sortir le WZ allié, ça c'est un nouvel allié qui tombe. Et on n'a plus que justement les trois canons du début, avec notamment l'Udes et le Lorraine qui ont joué, qui ont bien temporisé. On est à 2700 dégâts. Excusez-moi. Allez, un tir. Oulala, oulala, il faut pas pique. Est-ce qu'il a la dépression? Non, il a pas la dépression. On réussit à faire 35 tirs. On met un autre tir. 3000, on a dépassé les 3000 avec les 4900 dégâts de spot. C'est pas mal, ça c'est vraiment bien pour la marque. On remet un tir. Non, on ne peut pas remettre deux tirs. Le souffre TVP qui va essayer de mettre un tir. Et ce sera le 274A derrière. Je vous avais dit de pas oublier les chars qui étaient sur la colline là. Bon. Allez, est-ce qu'on pourrait pas avoir, oui voilà, voir comment ça se termine, mais non, 8-13 avec 10 points de vie dans la team. Allez, le SHPT4EVP qui va peut y passer. Allez, le Lorraine, oui, bravo le Lorraine. Allez, l'idéal ce serait de survivre, on n'arrivera pas à survivre du côté de l'allié en peloton qui s'appelait Q... Il s'appelait comment ? Big Big Socket. Bon, Big Big Socket, ce n'est qu'un au revoir, mais tu resteras dans mon cœur. Non. Allez, le Lorraine 40 qui va se faire terminer. Et 15-10, c'est un énorme replay de la part de Crossmark qui a bien su temporiser et qui a bien su spot les chars adverses. Moi, je vous dis, abonnez-vous. Parce que vous avez sûrement bien aimé la vidéo si vous êtes resté jusque là. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire si vous voulez commenter, c'est bien. Et puis, grosse mort, tu es toujours le bienvenu sur la chaîne. Si vous voulez également envoyer vos replays, j'ai fait une vidéo il y a à peu près une semaine, moins d'une semaine, qui explique comment faire. C'est notamment la vidéo mise en avant pour les abonnés, hein, quand vous cliquez sur ma chaîne. Vous atterrissez directement sur la page de chaîne et donc sur la vidéo si vous êtes abonné. Hein, c'est pour ça qu'il faut vous abonner, pour m'envoyer des replays. Et donc, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !